En été 2015, il y avait beaucoup de réfugiés qui venaient en Grèce. Et alors, en septembre, le 25 septembre de la même année, on a pris la décision d'occuper un bâtiment qui appartient au ministère du Travail pour héberger des réfugiés et des migrants. Jusqu'à maintenant, on a hébergé plus de 6 000 personnes venant de à peu près 15 ou 16 pays différents. Les principes de base de notre Aravan 6 sont la solidarité, l'autogestion et la démocratie directe. On a une assemblée une fois par semaine et tout le monde, les résidents et les solidaires, tous ensemble pour prendre les décisions. Et on prend les décisions surtout avec le consensus. À toi l'enfant sauvé des eaux, ou né ici dans le ruisseau, parmi les humains monnayés, sur une planète abîmée. Le vieux monde craque de tous côtés. Tout ce qui est vivant est en danger. L'idéologie du pillage nous a conduits à ce naufrage. Mais les rebelles s'entraident pour des utopies qui voient le jour. Quelles couleurs pousseront demain? Ça dépend de toi, de chacun. Que sera demain? Que sera demain? Que sera demain? Je te souhaite de vivre longtemps, de t'épanouir harmonieusement, de mettre en commun tes talents, libre entre égaux. Naturellement, et des sourires en arc-en-ciel, et des baisers au goût de miel, sans haine, sans peur, ni Dieu, ni maître. Je te souhaite simplement d'être. Que sera demain? 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 Que sera demain?